Bonsoir. Allez, ce soir, légende. On va essayer de passer argent. Ah, petite mise à jour. Je sais que jeudi, il y a l'ouverture des coffres. Donc on va voir ce qu'on a dans le coffre. On a réussi à avoir un coffre rang 8. Donc on va voir, en espérant qu'on a un bon coffre. Là, ce soir, le but est de finir le deck Buffy Dio et de commencer le deck Timo. Le deck Buffy Dio, il est quasiment terminé, il manque quelques cartes. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Oh, une capsule de champion, cool. Ouh, joli. Ok, et le coffre hebdomadaire. Alors. Oh. Là, il va y avoir de la carte. Là, il va y avoir de la carte. Ok. Oh, c'est cool, les coffres du jeudi, hein. Invocation sans permis. Invoque un gadget illégal. Ok. Garen et un jeton d'expédition. Bon, expédition, par contre, je sais pas à quoi ils servent, faudra qu'on regarde. Ouh, sympa. C'est sympa. Alors. Deux secondes, je vais vérifier un truc. Alors, on va regarder pour pouvoir voir si on peut augmenter notre build Buffy Dio. Là, hop, merde, si on fait jouer collection Buffy Dio. Modifier le deck. Alors, riposte. Oups, je retire une carte. Ok, on go la retrouver. Ouais, il y a un problème là. L'ajouter. Est-ce qu'il faut l'avoir? Ben voilà. Voilà. C'est deux? Oui, c'est deux. Alors là. Les reines, on n'a pas assez. Hop. Ok. Ah, il nous manque une gardienne et un garen. Et on a le bull. On a assez? Non, on n'a pas assez. Bon, au prochain coffre, on aura assez. Parfait. Allez, on va lancer une petite game. J'ai réussi à passer argent. Je crois que c'était hier soir. J'ai passé argent.
Argent rang 2. Donc là, ça se trouve, ce soir, on va pouvoir passer argent rang 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On remplace. On remplace, on remplace. Parfait. Ouh, en plus, on a la 9 direct. Oh! Et la Elise direct. Mais lol. Ok. On passe. On va lui killer son oiseau, comme ça c'est fait. Vaut mieux pas se faire déborder en carte. Petite araignée. Ah putain, on aurait su ça, j'aurais gardé les araignées. Hop, on invoque l'Elise. Je ne mords pas. Oh, il peut pas attaquer. Étonnant. Ok, ça on attend. Ça fait chier parce que j'aurais préféré attendre celle-là pour l'utiliser. De la soupe chaude et des cœurs chaleureux. Et hop, hop. Le dieu araignée exige son tribut. Elle a plus qu'une araignée et elle passe. Ah, de toute façon, la strat c'est invoquer lui. Clairement, c'est invoquer lui. Laurent, son est l'épée entre les mains. Alors, c'est sa phase de combat à lui. On va invoquer celle-là, stun lui. Et comme ça, Elise, elle up. Ok. On va invoquer. On va mettre une araignée. Comme ça, on peut faire celle-là. Ouais, on va faire ça. On va sacrifier une araignée. Parfait, comme ça la Elisa elle évolue. Nickel. Ça c'est bon ça, ça c'est bon. Ok, après. Ok. Ou sinon on prend celle-là, j'hésite. Non, on va invoquer ça. Oh, il est sérieux là? Il est sérieux là? Enculé. Salaud. On va faire une phase d'attaque. Comme ça, il va nous attaquer. On va le détruire quoi qu'il arrive, vu qu'on a que des deux. On va mettre des petites araignées. D'anciennes bêtes, brise dans la glace. Rien qu'un bon bouillon ne puisse apaiser. On va mettre les araignées. On va mettre toutes les araignées. Comme ça, il va obligatoirement m'attaquer et il va perdre toutes ses cartes. Vous aimez mon épée ? Un autre vous découpera. Parfait.
Parfait. On voit que celle-là, on lui kill toutes ses cartes. Mon cœur et mon épée appartiennent à Demacia. Hop là. Ah non. Ah oui, je suis con. Si on attaque, ça baisse, c'est pas en défense. Ouais, j'y pense pas à chaque fois. Bon, on va sacrifier. Ah. Sinon, je sacrifie celle-là. Comme ça, on lui kill elle, son Garen. Je vous remets une petite tournée. On va sacrifier une araignée. Alors, tu as un allié pour piocher deux cartes. Alors ça, on va le garder pour pouvoir kill lui. On va pouvoir lui mettre deux fois dans la tronche. Ok. Comment Brom peut-il t'aider ? Au moins lui kill un de ces deux. Tu vas voir qu'il va mettre la petite contre moi. Voilà, c'était sûr qu'il allait mettre la petite. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive, je l'ai pour bloquer un de ces deux. Petit mais costaud. Hein. Passer. On va garder cette carte là pour pouvoir kill l'autre. Normalement là en deux rounds on lui fait la moitié moitié moitié. Je crois qu'on va utiliser ça pour pouvoir dégommer son Brom. Non. Ouais c'est ça. On va s'en servir pour dégommer son Brom avant qu'il évolue. Ok. Et au prochain tour, on invoque celle-là. Comme ça, on l'invoque deux fois. On l'invoque une fois, et on le kill avec celle-là. Bienvenue. Bonne chance, nouvelle recrue. Capitaine Krongard, je suis Citria. Alors, on va sacrifier une araignée. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Parce que sinon, je vais prendre. Bon, déjà, on sacrifie une araignée, c'est sûr. On va mettre celle-là. Il y a une grosse différence, mais c'est pas grave. Et là, ce tour-là, on va invoquer lui. Là, dès que c'est notre tour, on va invoquer. Salut, ça va? Là, j'ai le compo. Je vais pouvoir lancer deux fois la carte, le commandant. Ça va piquer. Quand je vais pouvoir le faire. Ça va, bah hier soir j'ai fait pas mal, je suis monté argent 2 et là j'espère pouvoir passer argent 3. Donc déjà, oh, regarde, oh là, lui, on le met, boum, moitié vie. Et après j'utilise ça pour pouvoir le remettre dans mon jeu. Prochain tour, boum, re-moitié vie. Est-ce que je peux enchaîner? Je peux le kill? Ouais non, c'est en premier donc je peux pas. Il faut vraiment que j'attende. On va attendre alors. Alors, je vais pas dire, je vais pas jusqu'à le maîtriser. Oui, argent 1. Alors, je vais pas dire que je vais jusqu'à le maîtriser. Mais je le comprends.
Je le comprends et je commence à bien le manipuler. Alors, qu'on va attaquer. Non, on va pas attaquer. On va pas attaquer. On va juste renvoyer lui dans le build. Parfait. Ouh! Il y a moyen de le re-kill. Ah ouais, ouais, l'utiliser pour attaquer. Ah oui, en plus, il aurait pu me le détruire avec son dragon en 10-6. Ouais, c'est pas con. Ah oui, j'ai pas encore les habitudes. Et pour le buff, le deck Garen buff idiot, il est il lui manque 2 cartes. Salut Alex. Oh Master, allez, tu m'éclates, clairement. Moi je débute hein, par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah ouais, non mais c'est clair, un GG hein, pour Master. Alors... Ouais, je pense que je vais lui kill son 10-10. Je vais lui kill son 10-10 et me protéger. On va lui kill son 10-10. Me protéger comme ça. Hop. Comme ça. Et comme ça. Ok. 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 Alors. Et on va... on va me faire ça. Alors. Et on... Ouais, on va invoquer, comme ça au moins on reprend au niveau des cartes. Oh putain, je me sens petit par rapport à vous deux là, à un Master. Under, je pense que tu dois être pas mal non plus. Je suis vraiment tout petit hein, par rapport à vous. Ah ouais, platine, que platine, excusez-moi, monsieur. Ah ouais, il y a du niveau. Alors, bon, le but, c'est qu'on la perde. Alors, on va faire ça. Merde, j'aurais pas dû faire ça, je suis con. Franchement, un peu ce jeu. Alors, j'ai essayé Hearthstone, j'ai pas du tout accroché, mais lui, je l'ai essayé, franchement, je le kiffe. Franchement je le kiffe et depuis que Krundor il m'a montré des decks et tout, je le kiffe encore plus. Et hier soir j'y ai joué jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et franchement il est vraiment kiffant ce jeu. Et les animations et tout, elles sont vraiment kiffantes. Ah oui, mais lui, je suis con, il lui reste 3 points. Ouais, mais c'est tard, faut que je me concentre. J'ai du mal. Ouais, ouais, j'aurais mis toutes les cartes, j'aurais gagné là déjà. Mais je fais durer, c'était calculé, je troll. Bah voilà, il fallait attendre un petit round.
c'était fait exprès, c'était fait exprès. On va dire que c'était fait exprès. Oh, argent rang 1 dès la première game. Oh, c'est cool. C'est ce que je voulais en plus. Merci. Yeah. Ouais, et donc... Tu parles à moi, Gralex, ou à quelqu'un d'autre? Et donc, comme je te disais... Ah, cool! Ah ouais, bah, je t'ajoute avec plaisir, si c'est pour avoir des enfants... Pour avoir du bon joueur dans sa liste d'amis. Ah ouais, c'est clair. Alors, laisse-moi 2 secondes. Hop. Alors... C'est un i. Moi, clairement, je suis preneur parce que ce jeu, il est vraiment kiffant et plus je peux apprendre d'informations dessus. Et voilà, monsieur. Oui, moi j'ai récupéré ton code. Regarde. Importé. Ouh. Et bien sûr, je présume qu'il me manque toutes les cartes. Ouais, voilà, clairement. On va voir. Ouais, il me manque tout. Et mais tout de chez tout. J'ai le buff idiot qui est bientôt... J'ai le buff idiot qui est bientôt prêt. Il me manque 2 cartes. Franchement, il me manque 2 cartes. Il manque le Garen et la Gardienne et je vais pouvoir l'essayer. Et après, j'ai trouvé un Bultimo. Et parce que quand... parce que on a fait un duel avec Krundor et il m'a éclaté avec un Bultimo. Et il fallait que j'en ai un. Pour que j'essaye, c'était trop kiffant. Donc j'en ai trouvé un. Et faut que je le fasse. Le Bultimo. Mais bon, il me manque là les cartes. Ça sera pour l'avenir. Le Bultimo. Donc, on en était où? Des récompenses. Hop! Ouais, pourquoi pas, Krundor. Vas-y, lance le duel. C'est toujours sympa de se faire éclater. Toujours un plaisir. Alors. Il y a des decks que je vais délette. Je les ai chopés du net. Et ça sert à rien, je les garde. Le Yasuo, j'ai trop envie de l'essayer. Lui va virer. La Kalista. Faut que je l'essaye aussi. Ah, vas-y, lance. Ah, ouais, c'est pas la même personne. On fera après. Attends 2 secondes. Oh non, mais t'inquiète, tu peux stream hack, tu vas m'éclater, tu vas m'éclater, mais joyeusement. Alors, on va prendre celui-là. Euh,
D'accord. Et après le duel, je fais un duel contre Krundor qui me montre le deck Garen. Que voir ce que ça donne. Possible que non aussi, il y a de grandes chances que tu m'allumes. Donc, on va garder le commandant. Ouh. Ouh, ça commence bien quand même. Franchement, ça commence bien. Alors, on va faire ça. On va faire ça et on va faire fin de round. Alors après, on va garder ça, on va faire ça. Alors, hein, immédiat ou frappe, créez une hache foudroyante dans votre main, niveau super, j'ai frappé, ok. Ok, ok. Alors, on va faire ça. Ça. Et on va faire ça. Et on attaque. Ça a la rigueur. On va opter quelque chose, on va voir ce que ça donne. Oh! Ok. D'accord. Alors on va faire. Attends, ça fait quoi ça? Vous avez ciblé des ennemis au moins 6 fois. Un tir mystique efficace. Non, non. Je vais faire ça. Voilà. Comme ça, s'il nous attaque, on est bien. Ça fait quoi? Inflige 3 points. Oh non, pas ma Elise. Bouh. D'accord. Alors, on va kill lui. Kill elle. Et on peut rien faire d'autre. Ah d'accord, je viens de comprendre. Ok, donc. Créez une hache tournoyante dans votre main. D'accord. Intéressant à savoir ça. Mon tour. Alors, on va faire ça. Vaste nuit. Voilà. On va se faire défoncer. On va clairement se faire défoncer. Ça, ça et ça. Tu barres mon chemin vers la gloire. Hop, un de run. Alors, on va faire ça. Krundor qui a un éclair de génie. CDH, il me faut des victimes. Alors, est-ce que je comprenne sa hache? Parce que quand même, de hache tourne dans votre main. Et comment il a fait pour placer un Draven pour votre deck? Un allié au combat frappe.
Il a réchappé à la mort tout à l'heure. Ah, lui, je peux pas le bloquer. Voilà. D'accord, c'est frappe rapide. Alors. Lorsque l'unité attaque, elle frappe avant son bloqueur. Ok. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Ouais, donc en gros, il faut que je mette un bloqueur qui a plus qui a une défense plus grosse que ton attaque. Ça m'évite de me le faire détruire. Ok, et on va faire ça. Et ça. Voilà. Alors. Hop. D'accord, ouais, donc là... ouais, ok, je vais voir. Je vais rien dire. J'ai plus aucune chance de gagner. T'as ton full build, c'est ça? On va voir, on va voir. Point de dégâts, il était blessé. Bon, d'accord. J'ai eu espoir, hein. J'ai réussi à te faire quelques dégâts. À ce point-là. Ok. Ok. Là, on rigole plus. Ah oh ouais, c'est vrai que Krindor, il a été il a été gentil. Ah ah, il me reste 2 PV. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. C'est pas fini, je vais... J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, ok, ok, ok. J'admets ta supériorité. Ah, c'est... Ça a tellement été violent, je me suis fait déconnecter du jeu. Ouais, vas-y, Krundor, à ton tour. On va rire. Alors, une minute. Hop. Alors. Accepté. Vas-y, montre-moi le build. Le build de Garen.
Alors, hop, hop, hop. Ah, c'est pas le deck. Le deck que t'as pris. De toute façon, j'avais dit, j'avais aucune chance. Clairement. J'écrirai ma propre histoire. Une vraie bataille. J'ai pas le niveau encore hein, pour pouvoir vous tenir hein, clairement, donc non, c'était sûr que t'allais m'éclater. À moi sur ça, j'admets clairement que j'ai aucun niveau. Bah en fait je voulais diminuer ton Draven pour pouvoir être sûr de pouvoir le kill. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit que t'allais faire ton build basé sur le Draven. Donc à la rigueur, bah, plus il était bas en défense, plus j'étais sûr de pouvoir me le faire. C'est tout. Oui, oui, clairement, ça n'a pas marché. Et je l'admets. Alors. Alors. Alors on enchaîne. Hop, hop. Ça va pouvoir l'attaquer sans qu'il attaque. Ah bah non. Bon tant pis. On fout une 3-3 en plus. Ouais, sauf que si j'attaque à mur direct, bon passé, tant pis. Ah bah je savais pas que c'était son main. Soldat, avec moi. Ah oui d'accord oui. Ah ouais tant que la carte est là. Ah donc il faut absolument que je chope mon hélice en fait. Il faut que je chope mon hélice pour pouvoir l'agrapper et le kill. Où je fais ça? On va faire ça. Hop. Comme ça on va lui kill sa carte pour buff. Ouais, mais au moins s'est débarrassé de sa carte qui buff. Enfin. Où êtes-vous? Tenez bon, j'attends votre signal, capitaine. Ok. Enfin. C'est moi qui ai la phase d'attaque. On va faire ça. Comme ça, on va pouvoir avoir des morts pour l'autre carte. Ouais. Hop. La peur est le premier de nombreux ennemis. Bon, ça sert à rien que. Voilà.
Fin de round. Hissez la bannière, élevez les esprits, gardez la force. Ah ouais, putain, ça buff de ouf. Ça buff de ouf. Alors, on va faire ça. Au moins comme ça, on aura de la carte. Au nom de notre pays, justice sera rendue par ma main. Et donc, on va faire ça. Ah oui. Ah, j'avais pas vu qu'il en avait une 8-5. Et on peut rien faire. Oh non, on peut rien faire. Bon, on va se faire détruire toutes nos cartes, hein, for free. Ça fait toujours plaisir. Ok, et on passe. Ça fait quoi? Coûte un de moins pour chaque allié mort lors de ce round, invoquer un adepte aléatoire. D'accord. Ok, bon, de toute façon je me doutais. Je vais leur envoyer un moignon. Tu peux toujours essayer. Ah oui, bah oui. Maintenant qu'il a son Garen, il va pouvoir combattre en même temps que moi. Ouais, bah oui. Ah, mais de toute façon, c'était pour voir le build. Je suis aux côtés du détachement Hardy. Nous faisons ce qui est juste. Le problème, c'est que si j'attaque, il va me les dégommer tous les deux. On va voir, je vais tenter quelque chose. De toute façon, quoi qu'il arrive, je suis mort. On va tenter quelque chose. Ah d'accord, hein, en mode sadisme, je veux me kill avec... avec le temps. Un tantinet sadique, je trouve. Oh le salaud. Oh le salaud! T'aurais pu me laisser mon Darius, franchement. Oh là là! Nous faisons ce qui est juste. J'attends ton signal. Bon bah c'est ciao, je crois, non? Non. C'est ciao. J'aurais kill une carte, au moins manière pour dire que j'ai kill une carte. GG à toi surtout. Hein. Moi les GG je le mérite pas vu comment je me suis fait laminer. Alors. Bon. Ah oui, c'est clair que dès que je l'ai... Bah, il me manque deux cartes, comme je t'ai dit. C'est quoi ce deck? Voyons voir.
apporter. Oh, un deck karma. Donc, pour le deck, me manque deux cartes, comme on voit, une gardienne et un Garen. Ah, bah c'est bon, j'ai la gardienne. Donc il me manque juste un Garen. Il me manque juste un Garen. Bon, c'est pas que j'aime me faire éclater avec plaisir par les abonnés, mais je vais essayer quand même de monter un peu en classé pour pouvoir rentrer des points pour avoir mes cartes. Ça se trouve, avec de la chance, je vais passer or. Je pense pas, mais bon. Bah, le truc, c'est que je vais avoir la sensation que ça sera de la triche, parce qu'on va être à 3 sur le même mec. C'est un peu bâtard, non? Oui, j'ai le temps de lire, vu que vous êtes sur un second écran, juste à côté de mon autre écran, donc je vois clairement vos textes en même temps que je fais la partie. Ah ouais, le gold, il est proche de ouf, c'est clair. Mais comme je t'ai dit, c'est un peu bâtard quand même, hein. 3v1, ça fait chier à l'honneur. Hein. Je préfère perdre. Je préfère perdre avec honneur que de gagner en 3v1. Alors, j'ai même pas vu le build qu'il avait. Alors. Ouais, c'est à lui. D'accord, il faut pas que je garde... D'accord, je vire toutes les grosses cartes en fait. Oui, mais celle-là, je peux la garder, étant donné que celle-là, c'est presque la base de mon build, le commandant. Ouais, mais moi, avec la chance que j'ai, il y a de grandes chances que je l'ai pas, cette carte. Et souvent, elle tombe pas. Donc c'est pour ça que souvent je la garde quand je la vois. Alors. On va... Alors soit j'invoque lui, le stun l'attaque. Non, c'est bête de gâcher son pouvoir. On va faire ça. Où êtes-vous ? Ça fait plaisir de voir qu'il a un niveau de merde, il y a moi, j'ai mes chances. Et mon niveau est... Merci, non, ça me touche dans mon ego. Ça fait toujours plaisir. Hop, on va se faire kill. Comme ça, on va pouvoir avoir une araignée et avoir une carte dans la défausse pour pouvoir l'autre, si je chope l'autre. De toute façon, plus j'en ai dans la défausse, plus je peux invoquer l'autre vite. Et hier soir, j'ai combattu un deck conjuration, c'est ça, ouais, voilà, conjuré. Et le premier, il m'a éclaté comme pas possible. Et le deuxième, je l'ai niqué parce que j'avais compris comment fonctionnait son deck, donc j'avais fait en sorte de pas me refaire avoir. Ah, Mylise, c'est cool ça. Ça, c'est très cool. Soyez témoin de sa gloire. Ah.
Hop. Hop. Aidez-moi à sortir d'ici. Hop. Vers le soleil. Alors. Non, on va invoquer Elise. C'est moi qui tire les ficelles. On va invoquer Elise. Ça, on va garder pour lui. Et fin de round. Après, c'est vrai ce que t'as dit. Étant donné que je vais pas pouvoir m'en servir avant longtemps, j'aurais dû le virer. Ça me bouffe une carte. Ça me bouffe une carte inutile. Alors normalement, je kill sa carte et je l'attaque. Voilà. Et ma Elise, elle monte. Ouh. Ah oui, ça, ça va piquer. Ouh là là. Ça, ça va piquer. D'accord. Soit combo et pas de Darius. Ok, ok, je vois. Ouais, ouais, donc en gros, il faut. Soit je max les araignées avec Elise et je vire le gros. Soit. Et soit je garde. Ok. Ouais, je comprends. Bah, tester, faut que je fasse des tests et tout. Que je puisse bien manier. Oui, mais j'avais compris que c'était contrôle, pas combo. Non, mais j'avais très bien compris. Alors, on va la garder celle-là pour sa phase d'attaque. Quand il va m'attaquer, je vais la bloquer. Bah, avec plaisir, moi de toute façon je suis toujours preneur. C'est en prenant les informations, en regardant que qu'on s'améliore de toute façon, donc avec grand plaisir. Alors, on en était où? Parce que je regardais pas. Ah, sa puissance, son œuvre de créativité, une alliée pour infliger. Ouais, ça sert à rien. Hop, on bloque. Ça, ça fait quoi? D'accord, il a fait monter sa Léona, sauf que j'ai pas pu lire. Ah d'accord, ouais d'accord. Salope, pardon. Je vais m'amuser moi pour le kill. Une 6-8. Ça va être drôle. On va sacrifier mes araignées, au moins comme ça il nous prend pas de dégâts. On va aller mieux sacrifier, plus de perdre autant de points. Ouais, le deck que j'utilise c'est un deck à crune d'or, et franchement il est bien,
Il est vraiment bien. Il m'a permis de monter, bah il m'a permis de monter argent 1. Parce que sinon j'utilisais les decks de base. Ah non, il m'a super bien aidé dans le jeu, j'ai découvert pas mal de choses. Je leur remercie encore d'ailleurs. Et franchement le build, ouais, je suis passé argent 1 grâce à ce deck là. J'ai hâte de pouvoir essayer le deck Teemo par contre. Là je pense que je vais kiffer avec le deck Teemo. L'équivalent de sa puissance. Non. Et je pensais peut-être à kill une de mes araignées pour pouvoir piocher deux cartes. Mais non. Non, je vais le garder pour pouvoir kill le commandant quand je pourrai l'invoquer. Peut-être au moins lui kill une carte. Je ne plierai jamais. Ouais, on va au moins lui kill une carte. Je dois vous brûler les yeux tellement je dois faire d'erreurs à tous les coups. Ça doit être magnifique. Vous devez rigoler. Par contre, le build de conjurer, son build là, a l'air d'être une tuerie comme build. Parce que hier soir, je m'en suis pris, hein, mais il m'invoquait des trucs. À la fin, il m'a invoqué un dragon. Il était ultra puissant, le dragon. Bon, au prochain tour, je vais pouvoir invoquer le Lendor. Le Ledros, pas Lendor, que j'ai dit n'importe quoi. Mais il manque une carte, il manque un Garen. Ouais, je vais les rouler dessus quand j'aurai compris, j'aurai vraiment compris comment il fonctionne. Parce que je le comprends vite, mais il faut m'expliquer beaucoup. On s'en fait quoi? Donc, on le 7 ou plus, puis soigne un allié à votre Nexus. Alors, on va faire ça, quitte à sacrifier. Hein. Là, je vais prendre 3 points, là, je vais lui kill. Au moins, on va la jouer safe, quoi. Allez, on passe. Normalement là au prochain tour on peut utiliser le Ledros. Voilà le Ledros. Donc il va passer. Après, on va faire l'atrocité pour pouvoir lui niquer la 6-6, la Léona. Comme ça, il perd sa première carte. Après, on utilise la deuxième atrocité pour pouvoir lui kill son autre carte. Là normalement il y a moyen de gagner. Si j'ai un bon enchaînement, je la gagne. Franchement, si l'enchaînement se fait bien, je la gagne.
Ah, atrocité sur le Nexus, j'y ai pas pensé. J'ai pensé à lui kill ses cartes. Ouais, je pensais à lui kill ses cartes, moi perso. Si je fais atrocité, tu es pour infliger des dégâts équivalents à sa puissance sur n'importe quelle cible. Ah oui, oui, bah oui, donc si je fais les deux atrocités, il est mort, quoi. Oui, bah oui, je vois, s'il a la bonne carte, il a la bonne carte, c'est fini. Alors là, j'hésite. Si je fais aperçu de l'au-delà sur ma carte, comme ça, elle retourne, et je la réinvoque après à lui, ou j'attends bêtement. On va attendre bêtement, on va voir. Comme ça, à la rigueur, je fais mon atrocité au prochain tour. Bah, quand ça sera son tour. Moi, je peux peut-être la gagner du premier, du second tour, en fait. Oui, par contre, il a une carte anti-mage. Comme ça, à la rigueur, je le kill le Helio. Et de toute façon, la prochaine game, je le kill. On va tenter. Donc normalement là au prochain tour, je gagne. Si tout se passe bien. Je lui mets atrocité dans la tronche. Mais je viens de penser, avec les 3 points, les 3 points stockés, j'aurais pu faire 2 fois atrocité, donc j'aurais peut-être dû garder une des araignées. Oh, c'est elle qui m'a invoqué hier soir. Elle avait ouais, c'est elle qui m'a invoqué hier soir. Ah, j'ai souffert. Je peux faire 2 fois atrocité sur la même carte? Non, ça a pas marché. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais je veux pas tenter. Parce que c'est la moindre erreur. Ouais, mais là par contre j'ai plus de monstres pour me défendre. J'ai perdu en fait. Bah ouais, j'ai perdu. Clairement j'ai perdu là. J'ai fait le con. J'aurais dû la garder parce qu'il allait m'attaquer, j'aurais dû me mettre contre le dragon. Par contre, j'aurais pas dû attaquer avec mes mobs, garder mes 2 mobs, faire atrocité sur les dross et faire atrocité sur une araignée. Et là, j'aurais gagné. Donc en fait, ce que je voulais faire au début... Oui, oui, non, clairement, je me suis foiré. J'aurais dû garder mes mobs, ne pas attaquer avec mes mobs et faire les 2 atrocités, surtout que j'avais assez de points pour pouvoir faire les 2 atrocités. Et là, j'aurais gagné. En général, les bonnes strats, je les trouve à la fin. Une fois que je me suis fait kill, c'est là que je me dis, putain, j'aurais dû jouer ça, 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 ça. Mais au moment,
Je bug. Alors. Bon, ça, ça dégage. Et normalement on garde tout. Ouais. Hop. C'est moi qui tire les ficelles. Alors. On va faire ça. Ok, et on va faire ça. Il pourra que défendre avec sa grosse et ça. Merde, pas la Elise. Je veux pas qu'il me la kill. Et on va faire ça. Comme ça, on va au moins lui assainir quelques attaques, quelques points. Donc voilà, comme ça il perd sa carte, il perd ses deux cartes, et je lui mets un 3 dans la tronche. Voilà. Ah cool, franchement là pour le moment les cartes s'enchaînent bien. Ouh, il est beau. Il est beau son loup. Il va mourir. Non, il va pas mourir. Mais il va me servir. Hop. Franchement, pour le moment, ça marche, ça s'enchaîne bien. Il y a clairement, ça s'enchaîne bien. Il y a moyen de faire quelque chose. Ok. Son loup, on va le kill. Il est sérieux, là? Touche pas ma Elise. Enculé. Mais toujours, à chaque fois, il me vise la hélice. C'est un truc de ouf. Après, c'est logique, hein. Sans la hélice, le bull, il... Tu supprimes la hélice, le bull, il est presque mort. Est-ce que j'ai bien dit? On lui kill son loup. Ah, j'aurais dû attaquer. Quel con. Hein. C'est tout le temps, ça m'arrive. Alors. Ok. Ouh. Réduisez mon coût de 1. Ok. Et on va faire ça, ça, ça et ça. Et on attaque. Franchement, le build il s'enchaînait bien. Ouais, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Je désespère. Il y a moyen de faire quelque chose. Ah.
faire ça. On va lui stun celle-là. On va lui stun celle-là et on se défendra avec l'araignée pour la grosse. Putain, il invoque que des grosses cartes, sérieux. Ok. Ok, et on va faire... hop, on va faire ça. Là, franchement, il me faudrait le Ledros. Si je chope le Ledros, il y a moyen de gagner. On va kill son 5-5. Non. On va kill celle-là parce que sa défense, ça fait que remonter. Et on va faire ça, ça et ça. Et on attaque. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Voilà, et au moins comme ça, si on chope le Darius. Attends, il a que de la grosse carte. Ah, franchement, ça serait top qu'on chope le Darius ou le Ledros. Ouais, de la merde. On va pas s'en sortir, hein. Salut. Ça va? Tu viens me voir me faire éclater gratuitement? Alors, on va lui kill. Hop, on va se défendre et se défendre. Ça va faire... allez, on va dire une semaine. Ouais, je dirais une semaine. En grossièrement, sur la quantité de jeu, je dirais une semaine. Parce que sinon, ouais, j'ai découvert le jeu il y a 2-3 semaines. Mais je joue un petit peu de temps en temps. En gros, je joue pour éviter de trop jouer à WoW. Parce que sinon, je vais farmer WoW et je vais le finir trop vite. Donc je m'amuse sur ce jeu-là. Et franchement, il me plaît. Il me plaît énormément. J'ai très bien avancé grâce à Krundor, qui est un abonné. Et je m'améliore doucement. Ça avance. Ah! Oh là 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 là. Vous voulez que je passe quoi, moi? Je suis mort. Ah bah là, je suis mort. Clairement, je suis mort. Ouais, bah oui. C'est fini, j'avais bien compris. Tiens, manière à sauvegarder. Manière de sauver les meubles. Attends, j'ai que du gros joueur sur le live. Ça fait bizarre. Je me sens ridicule. Enculé! Il me l'a mis à zéro pour esquiver ses points, mais il savait qu'il allait gagner. C'est que du troll, franchement. Que du troll. Ah, par contre, dans les rankés de yeux, y a pas, on perd pas de points. Je sais que dans les rankés de Teamfight et de League of Legends, on perd des points quand on perd des parties. Et là, j'ai vu aussi hier que bah, je perdais rien du tout. Et là, je viens de voir que j'ai rien perdu.
Ouais. Encore du gros joueur. Alors. On va virer atrocité. Abattage. Et on va garder ces deux-là. Ah bah, et il me redonne une atrocité. Lol. Cet œuf, il a bougé. Ah, souvent quand j'attaque le premier, elle est perdue. Que l'hiver vous emporte. Alors, on va faire ça. Sauvez nos terres. Alors après, on va faire ça. Comme ça, on va pouvoir invoquer de l'araignée en plus. Et on va faire ça. Ça, ça. En espérant qu'il m'attaque le major. L'aristocrate, pas le major. Tant pis, bon c'est pas grave. Au moins ça me permettra quand même d'invoquer une carte de plus. Hop. Voilà. Bon, je pense que celle-là je peux la gagner. Franchement, celle-là il y a moyen de la gagner. Elle part très bien. Mais bon, l'autre aussi est parti très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, hier aussi, j'ai eu énormément de gens qui ont abandonné dès le début. J'étais deg, franchement, au moins tu te bats un peu, quoi. Hop. Là, j'attaque. Là, j'attaque, il va morfler. On va faire ça. On va remplacer celle-là. Bon, je crois que celle-là sent bon. Alors, on va faire ça, ça, et on va l'attaquer. Allez. Et on fout l'attaque. Et on fout l'attaque. Il faut que je sorte d'ici. À tous les coups, il va nous sortir une arme. Ouh, j'ai cru qu'il allait sortir une armée de sorts. Et là, à la rigueur, je mets une atrocité sur Darius. J'invoque Darius, je mets une atrocité sur Darius et je le finis. J'invoque mon Élise, comme ça elle monte. Ouais, j'ai invoqué mon Élise. Je vais faire ça. Je n'en doute pas. Ok, on va faire ça. Et on va faire. On va pas sacrifier une grosse, on va sacrifier une petite. Hop, on va faire ça. Là, franchement, si j'arrive à invoquer mon Darius, je gagne. Si j'invoque mon Darius, je gagne la game.
Putain, on va pouvoir enfin faire une petite victoire. Allez, mon tour. Hop, les livres. Parfait. En plus, une petite araignée de plus. Ah non, c'est pas une araignée. On invoque le Darius. Et... nickel. Là, on gagne. On a gagné. Normalement, celle-là, on la gagne. Hop, on fait ça. Ça. On fait ça. Ça. On fait ça. On fait ça. 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 Et on fait ça. Et on gagne. Et GG. Cool. Une petite victoire enfin. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je crois qu'il aurait dû. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je rigole s'il retourne la situation. Ouais, pour le moment je fais du 6, donc c'est pas grave. Oh, il a abandonné. Oh, oh, il aurait pu au moins laisser se faire tuer quoi. C'était la moindre des choses. Yeah. C'est quelle heure? Bon, bah on passera pas hors ce soir, mais il y a moyen de faire encore une petite partie. Alors, j'ai vu un code. Ah, c'est un code Darius. Oui, c'est le code que t'as envoyé. Si je sais plus écrire. Hop! Alors, fais voir. Modifier le deck. Ah, ça fait plaisir. Merci. Oh, il manque toutes les cartes. Bon, on va se focaliser pour avoir le build de Buff Idiot. Qu'on puisse essayer au moins. Il nous manque plus qu'un Garen. Oups, j'ai vu un Garen. Le fail à la con. Alors... ouais, donc il faut qu'on chope un joker. Faut qu'on chope un joker. Allez. On y retourne. Lui, je vais le délette. Hop. Lui. Lui, il vire. Voilà. Et on y retourne. Je pense que ça sera soit la dernière, soit l'avant-dernière, en fonction de laquelle heure on finit. Comme malheureusement, faut bosser demain. Et lever à 5h du matin, ça pique. Alors, on va virer ça, on va garder ça pour l'éclosion des araignées. J'ai bien envie de le garder quand même, comme ça au moins je peux me servir pour me protéger. Ouais, on va le garder. Je pense que je fais encore une erreur, mais c'est pas grave. Cet œuf, il a bougé. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu tout ce qu'il faut savoir. Alors.
Allez, je sors d'ici. J'ai perdu ma place. Et au prochain tour, on la kill grâce à ma ville. C'est mon ville fait ça. Là, on va la kill grâce au Villefestin. Hop, on l'unique. Cette carte là, elle est super dangereuse, je me la suis déjà prise. Elle peut monter très très haut à chaque fois qu'il pioche. Alors, on enchaîne. Ça, on va garder. Ça, oh. Ça, je vais la garder parce que s'il me sort, elle me sera très utile pour une strat. Hop, on va attaquer. On va au moins lui mettre 2 points dans la tronche. Sauf s'il me sort un sort. Alors, colporteur de champignons. Lorsque vous lancez un sort, placez 3 champignons vénéneux sur les cartes aléatoires du dé. Oh non, pas des champignons. Oh non, 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 non. On dégage ça tout de suite. Je veux pas des champignons. Je suis traumatisé par les champignons. Je ne mange même plus d'omelette aux champignons depuis le duel avec Krundor. Traumatisé par les champignons. Enculé. Oh, sale bâtard. C'est un bulle champignon. Putain, j'avais pas vu que c'était un bulle champignon. Bouge le kill. Bouge le kill. Oh, je vais le kill. Normalement, il me... Ah non, bah non. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, je crois que c'est la défense, mais en fait, c'est l'attaque. Faut que je le kill son Timo. C'est pas possible. Faut que je vais mettre atrocité, je vais le kill son Timo. Je peux pas laisser. Ah non. Choqué par les... Pas les champignons. Pas encore les champignons. En plus, je veux ce build. Je veux trop l'essayer. Il doit trop kiffer ce build. Là, en fait, il me faudrait la Elise. Que je puisse le grapper pour pouvoir le kill. Alors. On va faire ça. Ça. Et on va tout lui mettre dans la gueule. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Allez, allez Coco, allez Coco, vas-y Coco, attaque. Allez petit, allez, allez petit, 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 petit. Petit, 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 petit. Ouais, salaud. Un adepte, je me transforme en sa copie exacte. Ah, il a pris mes... D'accord. Un copier-coller. Et on attaque. S'il se défend avec Timo, on lui kill. Et l'autre araignée, bah c'est pas grave. Au moins, il prend. Au moins, il prend là. J'espère qu'il va se défendre avec Timo, qu'il est assez idiot pour se défendre avec Timo. Il est assez idiot pour se défendre avec Timo. Allez, plus de Timo. Dis au revoir à ton Timo. Voilà. Ça j'aime. Et là je lui mets une atrocité. C'est pas grave qu'il ait un autre Timo. Là il faudrait que j'ai un 6, que je lui mette une atrocité et je gagne. Eh ben non, merde.
C'est un 5-5. Zut. Il me faudrait un 6. Ou lui kill son Timo, c'est une bonne idée ça? Je me tâte. Franchement, je pense que lui kill son Timo, ça peut être une bonne idée. Ouais. Ouais. Je lui kill son Timo. Je lui kill son Timo. Je vais pas réfléchir, je vais lui kill son Timo. Allô, Timo. Oh la salope. Ah franchement. Ah ça m'énerve cette carte là. Mais j'étais sûr qu'il allait faire ça. Toujours les gens ils sortent de cartes de merde. Bonjour chers collègues baron de la chimie. Ouh, c'est pas grave, j'ai caché atrocité, mais c'est pas grave. Oh oh, oh. Je sais pas. Non, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et après, on va attaquer. Ouais, 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 on va faire ça, on va attaquer. Et normalement, on gagne. Normalement, on gagne. Ouais, on gagne. Normalement, on a gagné. Je m'en fous, on gagne. Il est sérieux. Il est sérieux là. Oh, il est pas drôle. Bon bah on va attendre le prochain tour hein. On va attendre le prochain tour parce que là on va se faire laminer bêtement. De toute façon quoi qu'il arrive, il y a moyen de gagner. Là celle-là elle est... je pense qu'on peut la gagner. Là, là, il c'est juste... Ah merde, j'aurais dû invoquer mon araignée, j'ai pas réfléchi. À chaque fois, je réfléchis pas. Ah, on va lui kill son Timo. La dague mortelle, on va lui kill son Timo. Il va rien comprendre. On va lui kill le Timo. Hop, dis au revoir à ton Timo. Hop. Hop. Et c'est tout. Oh, c'est méchant ça, des silvers peut-être. C'est vilain. Ah merde, il a une frappe rapide, j'avais pas vu. C'est pas grave, on lui a kill le Timo quand même. Voilà, y'a plus de Timo. Y'a plus de Timo. Prochain tour, on gagne. Là, notre round de là, on gagne. C'est clairement, on gagne. Allez, notre game de toute façon. Là, c'est... Après, on en refait une, on gagne aussi. Comme ça, on déco sur une victoire. Oh, on a la Elise. Oh, au revoir. Oh, qui veut de mieux? Qui est... What else? What else? Amenez-moi un café. What else? Le costume, tout. What else? Sur le terrain, comme c'est excitant. Hop, 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 hop. Là, il va prendre. Là, il va prendre. Il va prendre cher. Non, mais cherche pas. T'as perdu. T'as perdu. Non, mais t'as perdu. Non, mais t'as perdu. T'as perdu. Bien, juste pour fun. Ouais. Non, même pas. Allez. GG. GG. Ah, c'est bon. Ah, petite victoire.
Allez, on a le temps de faire une petite dernière. J'espère qu'on va être encore sur une victoire. Oh, franchement, si on refait une victoire, le gold. Merci, merci. Allez, on part sur une dernière. Ah, j'ai de la récompense. Yeah. Je crois que ça nous permet pas d'acheter Garen, je sais plus quelle couleur c'est. On va vérifier. Non, ça nous permet pas d'acheter Garen. Par contre, on peut peut-être acheter des cartes dans le Bultimo. Ah, il faut encore deux. Oh, sniff. Alors. Bon, bah, on en aura au moins une. Allez, c'est parti. Bon, la dernière pour la soirée. Allez, espérons qu'on part sur une... Oula, ouh, je connais pas ce build-là. Une build Tamquesh. J'ai oublié le nom de celui-là. Mais Nautilus. Une build Tamquesh Nautilus. Ouh, ça va être dangereux, ça. Oh, ça m'a donné des bonnes cartes. Tamquesh Nautilus. En plus, il a un skin de... Oh, lui, il paye. Là, ça paye. De petits skins de cartes, skin de map et tout. Ça paye. Ça utilise la carte bleue. Dernier souffle, jetez deux cartes et rendre 2 PV à votre Nexus. Ok. Ah bah oui, lui il paye, ça se voit, ça paye. Je sais pas pourquoi, je sens la défaite. Ça pue la défaite. Ça pue la défaite. LOL, ça tire des canons et tout quand il fait des trucs. Des barres. Sympa le skin de la map. Alors. Ben, si j'attaque, il va se défendre. Et je vais perdre mes araignées. On va faire ça. On va faire ça, comme ça on va pouvoir invoquer mon rampant pour pouvoir avoir deux araignées de plus. Non, celle-là, je suis sûr que ça part sur une défaite. Je sais pas, je la sens pas. Ça pue la défaite. Ça pue, c'est fou poudave. Foutu pourri d'avance. On va la tenter, hein, mais ça pue la défaite. Après la dernière fois, franchement, j'ai eu une game, mais elle était tendue à mort, mais elle était méga tendue, mais je l'ai gagnée. Ah, mais comment j'étais heureux quand je l'ai gagnée. Mais tendue, mais c'était plus que tendue. C'était la moindre erreur, c'était fini de chez fini. D'accord. Alors on va faire ça, et au prochain tour on va faire ça. Ça on va tous les monter.
J'aurais bien aimé avoir Elise pour invoquer celle-là. Comme ça, je boostais ma Elise. Alors. Donc déjà, il faut que j'évite de l'utile ces deux cartes-là. Prendre les deux. Parce qu'il va se heal avec. Ou je l'utile maintenant tant qu'il est full vie, de toute façon. Ouais, à la rigueur, je l'utile maintenant tant qu'il est full vie. Allez, on va tenter ça. Franchement, je le sens bien, ça. Ouh, c'est bon, ça. Elle est peut-être pas si pourrie que ça. Bon, on m'attendrait qu'on la gagne, mais bon. On va faire ça. C'est quoi ça? Un allié capturé, un autre allié gagne ses stats. D'accord. Une 3-8! Comment vous voulez dégommer ça, moi? Comment vous voulez dégommer ça? En fait, il va full burst. Il va full burst son Tamquash. Full burst le Tamquash, c'est sûr. Ouais, c'est ça, il va force burst le Tamquash. Si j'ai un atrocité, je gagne. Si je suis pas un atrocité, je gagne. Alors ça fait quoi? Début du round, jetez une carte si vous avez atteint la profondeur, détruisez-moi pour invoquer un monstre marin aléatoire. 5 avant la profondeur. Ok. Oh, 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 oh. Ah, j'hésite. Si. Hop. Hop. Ok. Normalement, on la gagne. On va voir qu'est-ce qui nous sort du. On va voir ce qui nous sort en carte magique. Yeah, GG, on part sur une victoire. Ah, on va regarder l'heure. On va voir combien il manque de points. On va regarder l'heure. Là, c'est drôle. Peut-être on a le temps de faire une petite game de plus. Oh, franchement, il manque pas beaucoup pour le or. Ça serait cool de se coucher en or. Un petit or. Un petit or, ça ferait plaisir quand même, non? Franchement, un petit or, ça ferait grave plaisir. Allez, on va partir sur un or. Allez, la petite dernière manière. Je vais la regretter, mais la petite dernière. Je pense que celle-là, celle-là a pu. Là, c'est en général, là, il y a eu trop de victoires. Il y a eu trop de victoires, ça pue. Oh! Un build de Karma Yasuo.
bulle de karma. ça pue, un bulle karma Yasuo. J'ai mes ordres. En position, derrière vous. Il joue patate le bâtard. Alors soit j'invoque mon Elise. Non, je vais invoquer elle. On va invoquer ça. Et... ah, il va full m'étourdir. On va attaquer. On va attaquer, s'il défend, au moins on lui détruit sa carte. Allez. Ouais, mais c'est pas grave s'il full stun Elise. Tant que je garde son pouvoir. Ah, il m'étourdit. Oh, mais il a des araignées lui aussi. Ah ouais, il va me full stun pour le Yasuo. J'ai déjà pris un bulle de Yasuo dans la tronche hier soir. Et c'était full stun juste pour enchaîner avec le Yasuo. Alors, hop. Et je vais garder mon Elise, sinon elle va mourir. Elle va bloquer. Oui, mais si j'attaque là avec mon Elise. Ah, mais elle a attaque rapide, c'est ça? Non, elle a pas l'attaque rapide. Si j'attaque avec mon Elise, elle va crever là si je fais ça. Salut, à la prochaine. C'était un plaisir de t'avoir sur le live. Débattez-vous, elles adorent ça. Ah oui, oui, là je vais essayer de up my Elise à fond pour pouvoir qu'ils deviennent... pour que je puisse grappe, qui a le challenger. Et maintenant qu'ils sont challenger, je fais ça, 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 et ça. Et là j'attaque. Est-ce qu'il va nous sortir en carte magique? Ça pue la carte magique. Là, il va nous sortir une carte magique. C'est même sûr. Ah, faut pas qu'il me kill la Elise. S'il me kill la Elise, c'est fini. S'il me kill pas la Elise, il y a moyen de gagner. Oh, il l'a étourdi. Oh, c'est pas grave. Il l'a juste étourdi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh non, le bâtard. Ah putain. Bon bah, la partie est finie, quoi. La partie est finie. Sans la Elise, je peux rien faire. C'était la Elise qui faisait tout le taf, hein. Vu qu'il a kill la Elise, c'est fini. Bientôt mes méthodes.
Vous vous croyez rapide, c'est mignon. C'est quoi ça? Quand vous êtes au sein, vous vous rappelez unité, octroyez-moi plus 2, 0. On va essayer de les rebooster en mettant celle-là, l'art d'arconique, au prochain tour. Je vous déconseille de me sous-estimer. Ouais, c'est ça. Je vais activer celle-là, à mon tour. Comme ça, je les monte tous et j'attaque. En gros, là, à mon tour, j'invoque celle-là et j'attaque. Voilà, je fais ça. C'est comme celle-là. Non, j'attaque, je défends pas. Là, j'attaque. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ou je défends. Ouais, mais c'est pas grave. Là, j'attaque, on est d'accord. Là, j'envoie tout le monde sur le terrain. Ouais, on envoie. Et on attaque. Ça fait pas partie de l'entraînement. On va voir ce que ça donne. En plus, à la rigueur, comme ça, je pourrais invoquer Darius. Ah ouais, c'est pas con. Ouais, ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Ouais, comme ça, en fait, j'aurais eu le Darius, il aurait pas pu bloquer. Si, il aurait à la rigueur bloqué le Darius, mais les autres, ils pouvaient pas les bloquer. Donc là, ça va faire durer la game, parce que là, il va pouvoir bloquer la totalité. Bon, il va perdre toutes ses cartes. Quelle était cette technique déjà ? Jusqu'à la prochaine vie. Yeah. Ouais, ouais, je sais, je sais. J'aurais grave dû invoquer Darius. Non, t'as clairement raison. Bon, c'est pas grave. Normalement, là, on la gagne. Ok. Oui, bah je vais mettre lui. Je vais mettre l'aristocrate. De toute façon, c'est ce que je pensais faire. Mettre du petit. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Allez, mon chou. Qu'est-ce que tu fais? Abandonne, hein. Je rigole s'il nous sort un enchaînement. Hop. C'est notre chance. Tu sens pour Noxus. Je vais m'en occuper moi-même. Oui, bah ça, je me doutais que c'était Darius maintenant, hein, clairement. Bah, c'était prévu, le Darius. Hein. Bon, normalement, on a gagné. On passe or. On passe or avant d'aller se coucher. C'est bon, ça. Ça, c'est très bon, ça. Vous n'êtes pas assez rapide. Ça, c'est très très bon, ça. Oui, bah oui. Oui. Non, j'allais pas sacrifier mon Darius.
Ah, tu penses? J'aurais dû passer. Mais non. Là, on attaque. Là, on attaque, on réfléchit pas. Et là, on a gagné. Là, on a gagné. Et voilà. Bah, franchement, c'est cool. Ça, c'est bon, ça. On va passer hors. Nos frontières s'agrandissent. Un petit hors. Allez, un petit hors. Yeah. Ah non, bronze. Ah non, c'est pas or, c'est bronze. Je dis de la merde. Mais argent, après argent, c'est pas or normalement. Ouais. Bah ouais, normalement, après argent, c'est... Bon, enfin bref, c'est pas grave. On a monté un grade. Ah oui, j'étais fer. Bon, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai du mal. Bon, sur ce, bah, je te remercie. Je te remercie pour tout. Ouais. Ouais, ouais, non, je m'en souviens, c'est exactement comme League of Legends. Non, mais voilà quoi. Ouais, je te remercie pour tout. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la prochaine, j'espère. Et salut!